Midi 11, merci d'être avec nous. Les Républicains se préparaient à une déception. Ils ont vécu une véritable débâcle. 4,79% des Français seulement ont voté pour Valérie Pécresse. À titre de comparaison, la candidate a séduit quasiment 10 millions d'électeurs de moins que Nicolas Sarkozy en 2007. À 10h ce matin, les barons de la droite se sont réunis au siège des Républicains. Vous y êtes, Alexandre Chauveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. L'enjeu des discussions, c'est ni plus ni moins d'éviter la mort du parti, hein, les Républicains. Oui, parce qu'avec le score obtenu hier soir, l'espace politique des Républicains s'est considérablement réduit et dans l'urgence, LR doit répondre à cette question. Quelle position adopter au second tour pour garantir l'avenir du parti? Appeler à voter pour Emmanuel Macron ou marquer sa différence vis-à-vis du chef de l'État au risque de mettre à mal le fameux front républicain toujours adopté par la droite depuis Jacques Chirac? Alors ce matin, Laurent Wauquiez a pris la parole pour appeler à respecter toutes les sensibilités au sein du parti. Ne cherchons pas à monter un camp contre l'autre, sachons bâtir une position commune qui nous rassemble sans exclure personne, dit le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Position dans l'ensemble partagée car les Républicains ont désormais les législatives en ligne de mire où ils devront présenter, selon Laurent Wauquiez, un projet soluble ni dans l'extrémisme ni dans le macronisme. L'avenir des Républicains au cœur des discussions en ce moment même. Un cadre du parti nous confiait il y a quelques minutes ne pas savoir si la cohabitation entre la droite et le centre avait encore vocation à exister. Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre.